Yes, c'est normal. Ils ont déposé ça, ils viennent de déposer ça, ils ont déposé ça. Donc il y a encore une partie qui reste. Donc la partie qui est derrière moi, c'est là. Donc ils doivent déposer la même bouche là, pour mettre la première bouche de cul. Donc ouais, ils ont posé là. Une partie environ 70% de la voie ou la route qui va être accordée à l'échangeur de l'essai d'état. Après, ils ont posé cette première couche là. Donc comme je vous ai montré, il y a une partie qu'ils n'ont pas encore posée, ils vont la poser. Ensuite ils vont commencer à mettre le bitume. Donc les premières couches de bitume. Les gars, les travaux là ne seront pas finis en mars. Ça, je vous le dis, les travaux là ne seront pas finis en mars. Je vous le dis déjà. Honnêtement, parce que ça traîne un peu. C'est pas une mauvaise chose, quoi. Ça traîne. Ils prennent leur temps, ils prennent le temps de bien faire les choses. C'est pas une mauvaise chose. Donc, voilà. Vous voyez l'échangeur de cet état là. Vous voyez les voitures qui arrivent là. Et vous voyez l'immeuble de Narval loin là-bas. Attendez, je zoome. Vous voyez l'immeuble de Narval et aussi en center. Donc, voilà. Ça va être l'entrée qui va amener à cette voie-là. Donc, cette voie-là, elle sera un 2x2. Elle sera un 2x2. À cause de sa largeur, en fait. Elle n'est pas grande comme... comme je vous disais dans l'une de mes vidéos précédentes, que... la voie, l'autoroute de contournement, il y aura certaines parties 2x2, donc celle-là ce sera un 2x2 voie, donc qui va mener, donc quand les gens vont prendre là, c'est qu'ils vont aller soit au nouveau terminal ou à Ocala ou bien sortir là à Charbonnage. Donc c'est ce qui est là. Donc ils ont posé, comme je vous disais, cette première couche là, donc ils vont pas tarder à mettre le bitume. Donc il reste, comme je vous disais, l'autre partie qui est en bas là. Donc c'est la partie là qui reste, qui vont connecter au carrefour, au nouveau carrefour qui a été créé suite aux travaux de la voie de contournement. Donc les travaux avancent bien, mais c'est pas pour mars. Mars, ils vont pas livrer le chantier. Ça, c'est une garantie. Parce que là, ils sont seulement sur cette voie. Comme je vous disais, il y a l'autre voie qu'ils doivent aussi travailler pour, qu'ils doivent aussi améliorer. Et ils ont commencé même. Et ils vont l'élargir. Si vous voyez bien, si vous regardez bien, ils vont l'élargir. Ils ont commencé. Tu vas dégager. Ils vont élargir cette voie. Ils vont casser le bitume même qui est là. Ils vont faire comme cette voie là. Oh les gars, bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo. Autoroute de contournement. Regardez comment elle devient de plus en plus belle. Regardez comment cette voie elle devient de plus en plus belle. Oh les, comment on appelle l'avancée de la signalisation avance très 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 bien. Comment ils ont commencé à poser le marche piéton à carrefour un peu plus bas là. Donc attendez, je vais essayer de me rapprocher. Mais regardez la voie. Regardez comment elle est magnifique. Regardez comment elle est magnifique. Comment elle est. Ouh. Là, c'est là où bientôt les chauffards vont venir circuler, hein, créer des accidents et tout cela. Donc regardez, la signalisation avance bien. La dernière fois que j'ai fait la vidéo, il n'y avait pas ça. Vous voyez, et la bande devant, il y avait un marche piéton là. Voilà, vous pouvez le voir au loin.
pour être dommage plutôt que voilà. Donc ils ont posé ça, donc ça avance bien, ça avance bien. Mais bon, le raccordement à l'échangeur, c'est comme je vous ai montré dans la partie 1 de la vidéo là. Donc ça avance, mais les gars, Mars, ils ne vont pas livrer le chantier en mars. Bon, c'était tout. Hein. Je voulais vous faire un petit update. Donc la voie, elle avance bien, elle est de plus en plus belle chaque jour. Donc c'était Lunan Lévy au Biondor. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Ciao, à la prochaine.